Donc, Abel, on est au Clandestino, bar spécialisé en tequila dans le Vieux-Montréal, qui d'ailleurs n'a rien d'autre que de la tequila ici. Exactement, on sert exclusivement tequila et mezcal. Parfait. Moi, je te demande un shot. Tequila. Tequila. Ou mezcal. Ou mezcal. Ah. Fantastique. Donc, aujourd'hui, on fait un cocktail qui est basé sur un Old Fashioned. Basé sur un Old Fashioned, c'est un cocktail qui s'appelle El Matador, qui est à base de tequila Tromba Añejo. Donc, c'est une tequila qui est âgée en baril américain. Ça lui donne des petites notes de vanille, de caramel. Je pense que ça va faire un cocktail très intéressant. Añejo, reposado. Blanco, reposado, añejo. Et ça, c'est le grand-papa. Extra añejo. Extra añejo. Et ça, c'est le papa, mettons. Fantastique. D'ailleurs, 2 points pour ton accent. J'imagine que tu vas y aller avec une grosse dose de tequila. Exactement. Aïe, aïe, aïe! La grosse glace, c'est super, ça empêche la dilution. Fait que dans un Old Fashioned, c'est parfait. Et pour un cocktail qui reste bien frais, c'est magnifique. Et voilà, mon cher. Et c'est, oh wow, un délice. J'en boirais 8. Ça me rejoint beaucoup comme cocktail. C'est rare quand même qu'on va voir un cocktail fait avec un alcool qui va être fumé, qui va être tourbé, comme le Beaumont dans lequel on va ajouter une dimension fruitée avec notamment la crème de cassis. Mais franchement, c'est fantastique, c'est un résultat que j'aime beaucoup. C'est très beau à l'œil, mais je pense que juste avec ça, ça va me donner une bonne raison de revenir. Merci beaucoup, Abel. Ça fait plaisir.